Bonjour les amis. Ah, j'ai super bien dormi. Ah, c'était vraiment très reposant cette nuit, j'en pouvais plus hier. On a super bien dormi dans le camping-car. Oui, Toutou aussi, franchement, il a trouvé sa petite place, tranquillement. Donc aujourd'hui, bah, ça va être journée un peu chill, on va se reposer surtout. On va pas faire grand-chose, on va juste ramener la voiture. Je vais ranger aussi les affaires, tout ça, parce que c'est encore dans les sacs. Et puis voilà, puis Christian va me montrer un petit peu le camping-car, comment ça fonctionne, voilà, la gazinière, tout ça. Le frigo, je pense pas que je vais l'utiliser, ni le chauffage, bien sûr, parce qu'il fait chaud. Donc juste, il va me montrer la plaque de cuisson, comment ça fonctionne, et puis bah, la cassette, parce que là, c'est une toilette chimique, bah, pour vidanger l'eau, remplir, tout ça. Voilà, ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai super bien dormi et ça fait du bien parce que hier j'en pouvais plus. J'avais mal à la tête en plus. Je le redis encore, mais j'ai vraiment des amis en or. Hein. Franchement, la Christian m'a vraiment sauvé. Parce que sinon, bah, j'aurais pas eu de camping-car. Je pensais rentrer, enfin, pouvoir rentrer en taxi ou enfin en voiture location jusqu'à chez mes enfants. Mais après, j'aurais fait quoi? J'aurais rien pu faire. J'aurais été bloqué là-bas, quoi, sur place. J'aurais peut-être pris un Airbnb pendant le mois, tout ça, mais bon, on n'aurait pas pu faire grand-chose au final. Et bah, grâce à lui, bah, voilà, j'ai son camping-car pendant un mois, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, journée repos, comme je disais, et puis bah, j'irai chercher les enfants du coup demain, parce que là on est jeudi. Demain on sera vendredi, et je les récupère juste après l'école en fait. Il termine 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Donc je les récupère à ce moment-là. Donc voilà, j'aurai 3 heures, non, 300 km, à peu près 4 heures de route, je crois, à faire. Donc allez les amis, bah, je vais me lever tout doucement et puis me préparer tout ça. Et puis bah je pense que je vais regarder à quelle heure je vais ramener la voiture, tout ça. Et puis bah, après Christian va me montrer un peu le camping-car. Et puis on va sortir gros toutou aussi. Hein? Bah ouais. Oh là là, il se tire ce gros toutou. Hein? On va sortir un petit peu. Je crois qu'il y a ton pote qui t'appelle. Je crois qu'il y a Jam qui t'appelle. Ouais. Je l'entends couiner. Allez, vas-y. Donc ce matin, on retrouve Christian. Bonjour Et Christian. bonjour. Qui va me montrer aujourd'hui du coup le camping-car. Le fonctionnement d'un Enfin, camping-car, le fonctionnement. parce qu'Idriss ne connaît pas trop, donc. Voilà, je suis novice. Alors, mais il y a plein de petites choses à expliquer, ouais. Bah ouais, c'est pas le même camping-car, enfin, ça Voilà. se voit quoi. Ouais, on va expliquer un petit Et peu. puis il y a des choses que j'utilise pas moi dans le mien, bah, par exemple la cassette chimique, je Ouais, connais pas. ouais. Non, mais Donc. il n'y a rien de compliqué. Effectivement, il faut montrer deux ou trois petites choses. Ouais. Ouais, On va faire ça. ça marche. Allez. Allez, c'est parti pour le van tour. Donc là déjà tu vas me montrer un petit peu comment ça fonctionne avec les bouteilles de gaz. Le compartiment à gaz est ici. Ouais. Ah d'accord. Donc, on a deux bouteilles de 13 kilos Ouais. en propane. Donc, celle qui est en service, c'est celle-ci. Celle-ci, je crois qu'elle est vide. Il y a un système qu'on appelle le crash sensor qui permet de rouler sans fermer les bouteilles de gaz. D'accord. Et comme je t'avais expliqué, bah, il ne faut même pas les fermer, il ne faut jamais les fermer. D'abord, je ne les ai jamais fermées. Ouais. Pour une simple raison, c'est que la chaudière qui produit l'eau chaude et le chauffage, si tu veux, si elle est en manque de gaz, eh bien, il faut la reprogrammer derrière, quoi. Ah Si elle oui, c'est manque de production de électronique. gaz, ouais, c'est électronique. Bon, c'est un peu chiant, ça coûte 70 balles à chaque fois. Ça m'est arrivé deux fois et j'ai pas envie que ça recommence, quoi. Ouais, d'accord. Donc je Donc voilà. fermerai pas les bouteilles. Voilà, faut pas les fermer. Et pour info aussi, il y a la clé ici qui est là, le carré. Et je le mets ici, c'est le carré pour la vidange des eaux grises, ce qu'on appelle. Ah d'accord. Et là, je t'ai fait un petit. La vanne, elle est ici. Je t'ai fait un petit repère avec un scotch. D'accord. Ici, donc elle est juste en face là. D'accord? C'est de baisser pour montrer. Hop. Voilà. Alors, si on l'ouvre comme ça, bon, normalement il est vide. Ouais. Il n'a rien coulé. Voilà, ça coule Ah, par ici. ça coule un petit peu. Ouais, parce que j'ai rincé un truc ou deux. Ok, Voilà. ça Donc marche. à vidanger dans des endroits évidemment Ah, prévus à cet prévu à effet, son quoi. effet, bien sûr. Donc tu as un inverseur, évidemment ici, c'est assez classique, hein. Ouais. Un inverseur, donc tu vois l'aiguille, enfin la flèche est dirigée vers celle-ci. Donc c'est celle-ci qui est Donc, quand utilisée, on ouais. l'ouvre, là, elle est ouverte. Après, il faut appuyer là-dessus pour amorcer le crash sensor. D'accord.
Donc si après je change de bouteille, il suffit que je branche, Tu branches ici, tu tournes la je molette tourne la vers molette, l'autre ouais, et tu rappuies sur le bouton vert là. Ok, Voilà. d'accord. Les cales pour remettre de niveau si besoin. Ouais, donc là les cales qui sont ici, nickel. Voilà. Ici, on a, je sais plus. C'est un compresseur ça, non? Ah oui. Ouais, c'est un Un compresseur compresseur. pour gonfler les pneus. Ouais. Il n'y a pas de roue de secours par contre sur ce véhicule, tu me disais. Là, il y a un petit compresseur et après de l'autre côté, là-bas, dans une des caisses, il y a une bombe anti-crevaison. Ok, si jamais. Marqué haut. Ça, c'est pour le remplissage. Remplissage Ok. d'eau avec la clé rouge la même clé d'ailleurs que pour le gasoil. Pas se tromper, du coup. Ouais, bon, c'est marqué carburant ici, c'est marqué haut là. Ça marche. Il y en a qui ont fait des erreurs aussi. Ouais, ça peut arriver. Bon, en général, plus c'est proche du moteur, plus c'est le réservoir. Bon, après, pour ce qui est poste de conduite, je vais pas t'expliquer parce que bon, c'est classique, hein, Ouais. c'est du Fiat. Ouais, bon, ça je vais me Ça débrouiller, je se pense. débrouille. GPS, c'est pareil, je vais te montrer, mais enfin, c'est pas très compliqué. Est-ce que ton GPS, il est spécial pour C'est le les grandes tailles? GPS, j'ai intégré les dimensions longueur, largeur, hauteur. D'ailleurs, il faudrait que tu me donnes la hauteur, c'est combien? Je sais plus. Faut que je passe sous un pont et que Je sais plus. on va le Tu mesurer. l'entendras. Hein. Non, non, mais normalement, si tu le suis le GPS du camping-car, il ne te fera pas passer sous un pont. Ouais. Ouais, c'est à ces dimensions, j'ai même mis un petit peu de marge. Ok. Donc, ouais, il faut utiliser le GPS de préférence. Parce que j'ai acheté ce GPS, alors, je crois l'avoir expliqué déjà, c'est parce que une fois ou deux, ça m'est arrivé d'être coincé. Ouais, t'étais Voilà. coincé dans des chemins un peu Normalement, moi, je me exigus. fie à lui. Tu sais, quelquefois, j'ai le téléphone à côté, le GPS téléphone, mais ils ne sont pas d'accord. Mais je suis de préférence le Ouais, GPS bah, je vais du utiliser celui-là. camping-car qui est programmé pour. Qui tient compte de dimensions, quoi. Bah, Voilà. Ouais. ça marche. Donc, ça peut être sympa pour fixer les vélos aussi. C'est des colliers, tu sais, Ah oui. qui se récupèrent, Qui quoi. se récupère, c'est pas mal, ça je connaissais pas. Ouais, j'aime bien ça. Il y a quelques outils là, tu me disais, Ouais, pour bricoler. quelques outils, il y a du scotch, il y a une Si j'ai besoin de massette, faire de mécanique. quelques pinces, ouais. Ici, la même chose, la bombe anti-crevaison, de quoi un fer à souder, Ah du ouais. fil, l'étain. Bon, j'espère que j'aurai quand même pas de bricolage à Ben, faire. j'espère aussi. J'espère aussi. J'espère juste pouvoir profiter avec les enfants. Des rives à pop, ouais, je vais les garder aussi quand j'ai besoin de rives à pop. Ouais, je pense pas que j'en ai besoin de ça. Ça, sinon, si tu veux pas tout ça, je peux l'enlever. Oh, Tu verras, il y a pas ça mal peut y de laisser, tu vas pas sang, tout le enlever. sang de la cliquette, de tendeur, choses Ouais. comme ça. Bah, C'est une ça va bataille de servir. lingettes très efficace pour les mains. Comme ça, on pourra mettre les vélos aussi ici avec les sangles, tout ça fixé. Là, après, je t'ai mis de la mouche pour caler les vélos. Là, Ouais. tu as le tuyau, ben, on va s'en servir tout à l'heure pour faire le plein d'eau. Pour remplir Le l'eau, ouais. tuyau avec différents raccords. Et moi, je le mets ici, je le range ici avec le tendeur, tu vois. Ça D'accord. libère Ouais, la pour pas place. que ça tombe. Là, tu as les chaises, donc. Ah oui, t'as même les chaises et tout. Super. Ouais, parce que Ouais. moi, j'ai pas pu prendre Là, je vais te mettre une tout table mon aussi. J'ai camping-car une avec moi. table camping aussi, je peux te la mettre. Ouais, peut-être. Bah oui, Ouais, bah oui. bah oui. Elle n'est pas dedans, mais elle va Pourquoi là-bas. pas? Ça Voilà. marche. Donc après, on va parler de la cassette. Donc là, tu as deux boutons poussoirs et un qui se verrouille à clé. Ouais. Bah oui, faut le. Moi, j'ai vu des fois des gens en camping, hein, qui se sont fait voler les cassettes parce que les gens qui ont la même marque, C'est ils vrai? essaient d'en avoir deux. Ouais. Enfin bon, deux ou trois. Quoi. Bon, alors, Ça se vole, ça? Je savais la pas. touche Baïwan non plus, je savais pas, mais. Faut pas qu'il soit plein quand il le vend, quand J'étais il le sur vole. une aire de camping-car un jour, il y a un mec qui hurlait comme ça, je vais le voir, il me dit on m'a volé ma cassette. Mec, j'ai votre cassette, je ne comprenais pas. Et puis il s'était ouvert, il n'y a plus de cassette. Alors bon, j'avais envie de rire, mais c'est pas drôle, quoi. C'était Ah, pas c'est clair. drôle. Faut le faire quand même pour voler des cassettes. Donc le fonctionnement, là, ça c'est très très simple. Ouais. Donc là, elle est vide, évidemment, j'ai remis un petit peu trop dedans. Donc tu tires cette manette-là, Ouais. et ça sort comme ça. D'accord. Voilà. Donc tout simple. Ah oui, on ne peut pas faire Et à plus simple. l'intérieur, t'avais rien à verrouiller. À Non, l'intérieur, non, 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 tout est tout automatique. était à l'extérieur. D'accord. Après, pour la vider, bon, bah, évidemment, tu as cette crosse-là, le Ouais. bouchon que tu dévisses. Ok. Et tu peux vider ça bah, dans un endroit approprié, bien sûr, Bah oui. en appuyant sur ce bouton-là pour faire entrer de l'air. Ah ouais, d'accord. Sinon, ça fait ploup, 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 tu sais, Oui, c'est. c'est pour qu'il y ait une Donc, tu circulation vides d'air. ça en appuyant dessus comme ça. Voilà. D'accord. Pour la remise en place, ça comme ça. Là, il y a deux roulettes. Alors, un truc qui est très drôle, c'est qu'on peut aller se promener avec si tu veux. Ah oui, c'est une valise.
Voilà, si tu veux aller. Si t'as des kilomètres à faire avec. Quand même sympa. Ils ont pensé Faut à que je tout. porte ça, parce que c'est lourd quand même, quand c'est plein. Ah bah oui. Et quand tu es sur une aire de camping-car, pour aller du camping-car à l'endroit où Où il faut vider. la vidange, des fois, ouais, j'en vois des fois qui baladent hein, avec ça, quoi. C'est pratique. Alors pour la remise en place, là, faut pas toucher à tout ce qui est ici, parce que ça, c'est positionné. Ouais. Donc ça se fait automatiquement. Ouais. Donc tu remets ça, là, ça roule. La pousse au bout, tu rappuies ça. D'accord. On va faire plus simple. Ouais, bah c'est nickel, c'est simple. Voilà. Là, j'avais rajouté un petit crochet parce qu'évidemment, il y en a qui s'ouvrent vers le bas ou sur le côté. Celle-ci, elle s'ouvrait vers le haut, mais il fallait le tenir et sortir. C'était pas pratique. Ah, c'est toi qui l'as rajouté? Ouais, Ah, ouais. c'est pas bête ça. Bah, pas bête, pratique. Bah, pratique, ouais, carrément. Pour la cassette, pour s'en servir, pour ouvrir la trappe, c'est-à-dire la trappe du réservoir, il Ouais. faut pousser cette manette-là. Là. D'accord, t'as un bouton en bas à Voilà. pousser. Et bon, bah, quand c'est terminé, tu as ici le bouton. Pour envoyer de l'eau. D'accord. La chasse d'eau est ici, d'accord. Chasse d'eau. Et après, bon. Et après, tu refermes On quand referme. On referme. Il y Ça a un va. petit produit à mettre dedans quand c'est rincé. C'est un petit produit bio, sans doute. Ouais. Tu remettras de l'eau dedans si tu en sers. Tu remettras de l'eau dedans. Puis tu en mets un petit peu, quoi. D'accord, ça tu mets C'est une... compatible avec les fosses septiques. C'est pas du tout polluant. D'accord, tu remets ça de temps en temps en fait. Non, non, tu remets ça quand tu as vidé, Ah, quand quand tu as tu... vidé, tu mets de l'eau dedans, tu rinces, tu revides. Ouais. Après, tu remets 1 demi-litre d'eau et un petit peu de ça. D'accord, faut remettre un petit peu d'eau avant de la Ça remettre la évite les cassette. odeurs et ça aide à la dégradation. D'accord, ok. Donc la cuisine. Tout ça, c'est pareil, il faut les accompagner, il ne faut pas les lâcher. Ouais, c'est assez fragile, tu me disais, les Ouais, fenêtres. c'est fragile. Ouais. Donc la cuisine, on l'avait déjà montré, mais bon, on remontre. Là, tu as l'allume-gaz ici. Ok. Alors, gauche, fond et droite, enfin tu verras bien. Ouais, je vais tester. Après, il faut rester appuyé, bien sûr, c'est plein de sécurité partout. D'accord, Il faut Forrester. rester appuyé un certain temps pour que la flamme, pour que ça chauffe, quoi. Parce que si j'allume tout de suite, Si tu relâches trop vite, ça s'éteint, tout de quoi. suite, bon, là, il est chaud. Il y a une. On va l'entendre couper. Tiens. Ah oui, ouais, ça claque, il se coupe Bon, tout seul. vraiment aucun risque, alors c'est allemand, il y a plein de sécurité partout. Sois pas inquiet avec le gaz. Ça Non mais marche. après. C'est vrai que je n'utilise plus trop, moi, du coup, maintenant, je suis Non, avec non, la mais plaque c'est super pratique, électrique. ça marche très bien. Puis en propane, ça chauffe très très bien, je trouve. Oui, bah Mieux oui. que le butane, mais bon. Bon, après les placards, bon bah ça tu connais. Il y a pas mal de Évidemment, placards où je pensez peux à ranger les affaires. rééteindre le gaz avant de remettre les verres dessus. Oui, c'est mieux. Évident, bah oui, mais ça arrive à tout le monde. Ne pas rouler avec ça ouvert aussi parce Oui, que. ça casse tout. Voilà. Une petite séparation là, c'est pareil. Pour avoir un peu d'intimité dans la salle dedans. Ouais, faut refermer Bon ici. voilà, ça c'est complètement étanche. Par contre, il faut évidemment le reclipser aussi en roulant. Ouais, sinon ça va bouger dans tous les sens. C'est marrant, j'ai l'impression de faire le vendeur de camping-car, tu sais, la première prise en main C'est ça. à quelqu'un qui n'a jamais eu de camping-car en Bah, c'est fait. pratiquement ça. Non, 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 je rigole. Le four, sympa. Petit four, ça à gaz, ouais. Allumage ici. Ok. Gaz, allumage ici. Et redoutable, je trouve très très fort. Je suis très peu servi parce que, bon, en camping, Ouais. le four aussi. Après, des fois, un soir, une pizza, voilà. Des quiches Lorraine, ou plus, selon les goûts. Donc là, il y a la Le four, chaudière. elle est là. Là, il n'y a rien à faire. Ouais. Il n'y a rien à toucher. Ok. Elle est juste Je ici. pense pas qu'on... Parce que ça fait chauffage et eau chaude, c'est Alors ça ça? fait chauffage et eau chaude. Ah oui, la commande, je t'ai pas montré. Moi, je pense pas que j'ai besoin de chauffage au mois La de juillet. commande Truma, elle est ici. Donc tu as Ok. des petits logos, mais on voit peut-être pas très clair. Ouais, t'as 60, 40. Tu vois quelque chose? Ouais, si, on voit. 60, 40. Voilà. T'as la petite flamme. Donc si je le mets, si je le tourne, je le mets sur 40. Et là, il va démarrer. Tu auras de l'eau à 40. Si tu le mets ici, tu auras de l'eau à 60. Ouais. Et si tu le mets en bas, tu auras le chauffage et l'eau chaude. D'accord. Donc tu vois, là, il est orange. Tant que c'est orange, c'est qu'elle va, Elle est en elle train de va, elle va chauffer. ventiler, elle va chasser rentrer une fuite de gaz avant de démarrer. D'accord. On l'entend, on va démarrer tout doucement.
Bon, j'arrête. Ouais, arrête-le. Parce... Mais d'accord, ça marche. Après, ça met une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes pour avoir 14-15 litres d'eau chaude. D'accord. Alors, le frigo. La puissance donc de froid. Là, il y a une petite flamme. Si je le tourne ici, il va marcher qu'au gaz. Si je le tourne ici, il va marcher qu'au 220. Ouais. Si je le mets ici, il va marcher que sur le 12 volts, les batteries, cellules. Et en automatique, il va choisir, si tu roules, il va passer sur le 200, sur le 12 volts, pardon. Ouais. Si tu le branches, il va automatiquement passer sur le 220. Et si tu le mets en auto, si tu le mets en auto, il choisira. Après, moi, comme je disais, tu vois, il est long à démarrer au gaz. Je suis pas sûr de vraiment l'utiliser, le frigo, parce qu'on a l'habitude de ne pas avoir de frigo. Donc, tu vois, là, il est allumé vert, ce qu'on est branché sur le 200. D'accord. On va faire un peu du froid. Et après, la mini-maxi, le froid, quoi. Le canal SAT, le machin, la télévision, je suis incapable de t'expliquer comment ça marche. Tu sais très bien, oui, je n'ai jamais eu de télévision et je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, t'es allergique à la télévision. Tu te prendrais ici. Ouais. La petite penderie pour ranger les affaires. Bon, l'installation après ça, tu t'en rappelles, oui. J'avais déjà expliqué. De l'écoflow, ouais, que tu as mis à charger du coup. L'écoflow est à charger, là, elle est chargée, on va la remettre. Mm. Donc là, pour l'instant, tu vois, là, ça c'est ce qui va sur le 220 du camping-car. Ouais. Et la prise murale, c'est ce qui arrive de l'extérieur. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle. Donc si je débranche ça et que je le branche sur l'écoflow, eh ben, j'aurai l'installation 220 du camping-car qui sera sur l'écoflow. Sur l'écoflow, ouais. Mm. Ça marche. Donc voyons, orange allumé parce qu'on est branché sur le secteur. Ouais. Donc voilà, on est alimenté en 220, 230. Ici, c'est pour le 12 volts marche arrêt. Donc là, quand tu coupes ici, ça va s'éteindre. On n'a plus de 12 volts. D'accord. Ça coupe les batteries accessoires. Donc là, on le remet. Je peux le laisser en permanence allumé, oui, ou... Oui, oui. Ouais. Ah oui, il y est tout le temps. Des fois, je l'oublie. Bon, quand il est arrêté pendant 2 mois, je le coupe, mais bon. Mm. Ici, c'est la charge de la batterie du porteur. L'état de la batterie du porteur, l'état de la batterie de la cellule. Donc, on appuie ici. Là, on est à 13,5 V. Donc, on est pas mal. Parce qu'on est sur le 220, donc il y a un chargeur automatique qui est en train de nous la charger. Ah oui. Et 13,5 V sur les batteries, les deux batteries de 170 ampères pour la cellule. D'accord. Ici, on a les niveaux d'eau. C'est le même cadran. Donc là, on est à la moitié du réservoir. Ah oui, en dessous, je crois que c'est en bleu ici, là. On peut voir. C'est ouais. Le cadran bleu. Ouais. Tank. Réservoir. Et puis ici, c'est le réservoir d'eau usée, donc je sais qui est vide. D'accord. Là, à la limite, tu as 60 litres d'eau. Quand tu vas repasser, on fera le plein. C'est pas la peine que tu balades 60 kilos en plus. Ah oui, quand je vais, oui, parce que je vais aller chercher les enfants, puis je reviens ici. Ouais. Donc, ouais, on fera le plein après. Faire le plein, mais c'est idiot. 60 oui. Litres pour faire un aller-retour. Bah, surtout qu'il y a de la route de montagne. Donc, surtout qu'en Auvergne, de l'eau, il y en a aussi. Il y a de l'eau de source là-bas. Donc, ça, c'est tout. C'est vachement simple. Y a ouais. Les deux interrupteurs, je te dis, ça, c'est l'éclairage intérieur. Mmh. Donc, il y a un va-et-vient avec celle-ci. C'est quand on arrive, on allume là et on va par ici. Il faut faire gaffe parce que souvent tout le monde appuie ici, on voit rien, mais ça allume l'extérieur, donc c'est une ampoule qui consomme énormément. D'accord, donc pas toucher à celui-là. Voilà. faut faire attention à ça parce que ça m'est arrivé une fois de vider la batterie avec ça en une nuit. Ah oui. Vider les deux batteries, quoi, c'est énorme. Ah bah oui, oui. Et puis le frigo, pareil, si tu le mets en 12 volts, ça m'est arrivé au Portugal, ouais. De le laisser sur le 12 volts, je suis revenu, il n'y a plus de batterie. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ce qui consomme ouais, même un moteur arrêté. Ouais. Ah bah oui, parce que ça prend sur les batteries. Ah ouais, c'est marrant. Parce que sur le mien, il s'enclenchait uniquement quand je roule, tu vois. Ah oui. Il s'allume, je peux mettre le 12 volts, tu vois. Je l'enclenche, mais il ne s'allume pas. Et tant que je démarre pas, dès que je démarre, là, il s'enclenche, il s'allume. Ah oui, ou il y a peut-être un séparateur. Bah, je crois qu'il est branché que sur l'alternateur. En fait, il tourne que quand l'alternateur tourne. Production. Ouais. Ouais. Bon, là, c'est d'origine, sa station est d'origine. Hmm. Là, un outil très important ici. Hop, attends, je me décale. Le décapsuleur. D'accord, je me demandais ce que c'était. Il l'a mis à portée de main, tu vois. Ouais, ouais, nickel. Ça m'aurait étonné que t'en aies pas aussi. Bon, ça m'amusait, ça. C'était des amis qui ont un groupe voiture ancienne et je leur ai acheté ça. Je trouvais ça rigolo, quoi. C'est marrant, le goût, il est rigolo, on dirait Falco. Oui, c'est eux, là. Ils sont. C'est eux, Rodman. Ah ouais. Assez sympa. Après, pour le lit, je t'ai montré, je te remonte peut-être. Ah oui, pour le lit, donc il faut. Alors, le déplier. On a une petite séparation. Rideau. Donc là, ce sera le lit où mes enfants vont dormir. Voilà, pour descendre le lit, je ne sais plus comment on l'appelle, le lit pavillon, il faut incliner les deux sièges avant. Ouais. Le mieux est aussi de rabattre, mais bon, ça passe. Ah, c'est le rétroviseur ou quelque chose qui touche. Donc là, c'est une boucle de ceinture.
j'appuie dessus. Et ça vient descendre. Et le lit est déjà tout prêt. Et le lit est prêt. Et là, comme je disais, tu as la petite échelle. Ah ouais, d'accord. Pour monter. Là, c'est impeccable. Bon, il y a de l'espace, c'est correct. Moi, j'ai dormi, j'ai essayé, c'est, ça va. Ouais. Ça va. Ouais. Même pour quelqu'un de claustrophobe. Ça ira très bien. Hein. Ça va bien. C'est plus grand que la capucine que j'ai actuellement. Ah ouais, ouais. Oui. C'est plus haut. Ouais. Il y a 1m40. Mm. Par 2m10. Ouais. Ouais, ouais, mais ouais, c'est nickel. Voilà. Bon, après, le rôle. Là, ici, bah, tu as une ouverture. Alors, là, c'est un peu la merde. C'est hyper fragile. Si ne pas y toucher, c'est mieux. Moi, je ne toucherai pas. Hein. Si il se touche au minimum. Non, ça fonctionne, mais il faut y aller vraiment doucement. Tu vois, je l'ai déchiré. Ça, c'est super light. Ouais. C'était cassé, et puis je l'ai remis avec des vis, et les vis dépassent et m'ont déchiré. Ah, j'ai eu le même souci sur le mien. Ouais. Vous avez mis des vis trop longues et ça a arraché là aussi la moustique. Bon, après, le relevage, c'est dur, c'est physique, parce que les deux vérins sont fatigués. Il y a deux vérins qui aident normalement à la remontée du lit. Ouais. Mais là, c'est un peu... Attends, je vais t'aider. Oh. Yop. Ah. Donc là, tu es en train de me montrer pour tourner les sièges. Ils sont pivotants pour faire face à la table. Ouais. Et pour pivoter celui-ci, je ne sais pas si tu vas voir, mais... Quand il y a le frein à main, ouais. Eh bien, on ne peut pas pivoter le siège, il vient buter sur le frein à main. Ah oui, ils ont fait un petit défaut là. Donc il faut enlever le frein à main pour pivoter le siège. D'accord. Bon, ce que je fais, comme je t'ai montré, je mets une vitesse, ouais. Je tourne et je remets le frein à main après. Ouais, bah ouais. Bon, et celui-ci, par contre, il n'y a pas de souci. Faut le savoir, c'est tout. Ouais, faut le savoir. J'ai mince, ça ne trompe pas. Les petits éclairages ici. Je ne vais pas montrer, mais là où il y en a aussi un néon, on ne va pas laisser toute la nuit parce que c'est un néon que je n'ai pas changé encore pour du LED. D'accord. Donc il y a la lumière extérieure, celle-ci, qui sont néons, et l'éclairage de la haute aussi. Ouais, que tu m'avais montré, que tu as rajouté du coup une... Là, il y avait une lumière ici, voilà, qui est énergivore, et tu as rajouté une petite lumière. Tu la vois le recoller. Voilà. Moi j'ai mis un LED, c'est clair mieux d'ailleurs. Ah oui, il allait là. Hop, comme ça au moins ça éclaire à LED, ouais. Avant de partir, on va quand même vérifier les niveaux. Donc ouverture de capot ici. Sur le côté. D'accord. Si on sait pas où on cherche. Là, il y a des réglages de chauffage arrière. Ouais, il y a le chauffage arrière, tu n'auras pas besoin. Pour l'ouverture. Alors, l'ouverture par en dessous, d'accord. Voilà. Ah donc, oui. Là, c'est l'eau. Oh là là, c'est là que. c'est tout compressé, on ne voit rien. Ouais, non, on ne voit rien. Ah, d'accord. Là, derrière, c'est... Ouais, tu vois, on est en dessous du nini. J'aurais pas changé une courroie là-dessus. Ah oui, pour rajouter un peu d'eau. Et pour remplir, mais c'est la galère là-dedans. Ah bah. T'as même pas d'accès par au-dessus? Non. Bah non. Ok. Et t'as le niveau d'huile qui est là. Le niveau d'huile, il est là. Alors, c'est pareil, hein. Pour le remettre, courage. Attends, on va essayer de voir si j'ai du liquide de refroidissement. J'espère que j'aurai pas la culasse à changer là-dessus. Ah non. Mais attends, quand... mon ami Valentin a fait la distribution là-dessus. Ouais. Il a perdu les cheveux. Tu m'étonnes. Ah, il m'a dit plus jamais. Là où je suis impressionné, c'est que c'est que de la fibre comme ça. Vous voyez, là, je croyais que c'était de l'acier, mais non, c'est tout en fibre la coque. Les ailes, c'est pareil. Donc c'est vraiment juste un châssis en acier, puis recouvert de fibres pour alléger au maximum. Pour gagner en poids, ils ont mis que de la fibre. C'est impressionnant de voir ça. Une petite astuce, parce qu'avec l'entonnoir ça allait pas, t'as trouvé un petit bout de tuyau de machine à laver pour aller remplir, parce que sinon il n'y a pas la place. Oh, ces Allemands. C'est vrai qu'ils ont prévu le coup pour le lave-glace ici, ils auraient pu faire la même chose pour le liquide de refroidissement, quoi. Dommage qu'ils n'en aient pas fait ça aussi pour remplir. Là c'est vraiment sinon la galère. Hein. Vas-y, je te dis, du coup faut être deux, quoi, faut regarder en même temps. Vas-y, tu peux en mettre encore. Je te dirai stop. Vas-y, 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 vas-y. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Voilà, on est juste en dessous du maxi, je pense que ça suffit. Hein. On peut en mettre plus. Oui, quand ça chauffe, en général, ça monte toujours un petit peu en pression. Et le niveau d'huile, donc, il est nickel. Par contre, c'est la galère, c'est pour le remettre, tu me disais. Ah, c'est vrai que tu vois vraiment rien. C'est vraiment tout au toucher là-dessus.
Des mains de sage-femme, c'est ça qu'on dit là. Peut-être, ouais. Mais c'est pas mon cas, mais... Donc bah voilà, bah écoute, on a fait à peu près le tour, il m'a montré aussi les clés, tout ça pour pouvoir fermer. En fait, il n'y a que deux clés, il y a une clé pour toute la cellule et une clé pour démarrer, donc c'est assez simple. Donc bah, je roulerai avec demain. Aujourd'hui, j'ai déjà ramené la voiture de location. Et puis bah, demain, premier test du camping-car. C'est bien, c'est qu'il y a une caméra de recul, donc je devrais quand même m'en sortir. Parce que ça va me changer, il fait quand même 7 m40, hein, c'est ça? Ouais, 7 m40. Donc c'est quand même un grand véhicule. Bon, bah, en tout cas, encore un grand merci à toi de me prêter ton camping-car. Je sais à qui je le prête. Ça me touche beaucoup parce que bah, sans toi, j'aurais été un peu bloqué quoi, avec les enfants. Je connais l'importance d'un papa qui va passer ses vacances avec ses enfants. Ouais. Et puis c'est tout. Et puis t'inquiète, j'en ai eu un de fils et j'étais très content aussi de pouvoir l'avoir en vacances. Mmh. Et c'est important, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ouais, je te remercie encore quand même beaucoup. Ouais, mais bon, allez, on va pleurer.